l'incontournable biscuit en pâtisserie. J'ai hâte de découvrir ta recette, Michael. Je vais réaliser aujourd'hui le biscuit cuillère, qui est à la base du tiramisu ou de la charlotte aux fraises ou framboises. Pour ce faire, nous avons besoin de très peu d'ingrédients. De la farine, du sucre glace, des jaunes d'œufs, du blanc d'œuf et du sucre cristallisé. C'est tout. Montez les blancs en neige ferme en y incorporant le sucre en poudre. Donc on va l'ajouter très progressivement. Voilà, dès qu'ils sont assez montés, on va arrêter. Donc ici, je mets les blancs d'œufs. Je vais pouvoir réutiliser le même bol. Et alors ici, on va blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre cristallisé, donc l'autre partie que j'avais réservée spécialement pour nos blancs d'œufs, afin de les rendre mousseux. Je vais ici verser les jaunes d'œufs dans mon cul de poule. Très important, surtout ne pas mettre le sucre cristallisé dans les jaunes d'œufs et attendre par exemple plus de 2 minutes. Pourquoi ? Parce que le sucre cristallisé va venir brûler les jaunes d'œufs, ce qu'il ne faudrait surtout pas qu'il arrive. Et on va laisser tourner sur vitesse maximale jusqu'à ce que les jaunes d'œufs blanchissent et deviennent mousseux. Donc on va vraiment voir que la couleur des jaunes en tournant vont devenir beaucoup plus aérien, beaucoup plus mousseux. Et donc blanchir forcément. Voilà, ici j'ai la couleur qui est devenue beaucoup plus blanche, des jaunes d'œufs, ils sont beaucoup plus mousseux. Donc je vais pouvoir arrêter mon batteur de tourner. Là, parfait. On peut voir ici que l'on a une couleur beaucoup plus blanche du jaune d'œuf qui a blanchi avec le sucre. Ici, j'ai donc mes jaunes d'œufs qui sont blanchis et mes blancs d'œufs serrés et montés en neige. Je vais ajouter progressivement, d'abord avec 2 cuillères, les blancs d'œufs dans les jaunes montés. Évidemment, être très délicat et ne surtout pas fouetter le mélange. Ici, je vais pouvoir rajouter l'entièreté. Qu'est-ce que tu entends par détendre la pâte ? Alors ici, on ne peut pas vraiment parler de pâte parce qu'il n'y a pas encore la farine. Mais nous allons effectivement ajouter progressivement d'abord en une première phase les blancs d'œufs afin qu'ils ne retombent pas d'un coup si on ajoutait l'entièreté des blancs d'œufs d'un coup dans les jaunes d'œufs. Voilà, donc on peut voir ici qu'on a une masse homogène. Maintenant, nous allons y ajouter la farine. J'insiste qu'il est très important de tamiser la farine avant de l'incorporer à l'aide d'un tamis. Alors pourquoi la tamiser ? Tout simplement pour éviter d'avoir des grumeaux qui ne vont pas s'incorporer à la pâte et qui en bouche après la cuisson vont rester et vont donner un aspect et un goût, surtout oui, des grumeaux en bouche quand on va croquer dans le biscuit, ce qui va être très 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 désagréable. Mettre la farine dans mon tamis. Et c'est à ce moment-là que je peux incorporer un parfum. Alors, on peut rajouter un parfum, mais plutôt alors avec les jaunes d'œufs. Donc, on peut mettre un petit parfum vanille, un petit parfum alcoolisé. Donc, c'est juste avant d'incorporer les blancs d'œufs. Voilà. Ici, on a de nouveau une pâte très homogène qu'on va pouvoir mettre en poche. Ici, je vais donc réaliser mes biscuits cuillères, les dresser. Je vais faire cela à l'aide d'une poche et d'une douille, 10 par exemple, 10 mm. Ici, je vais, pour terminer, saupoudrer de sucre glace et puis après, j'enfournerai les biscuits cuillères environ 10 minutes à 210 degrés. Voilà nos biscuits cuillères qui sont
Oui. Parfaitement, donc il ne faut pas trop qu'ils soient colorés. Ici, on les coupera en deux, justement pour avoir une hauteur de 7 cm plus ou moins de hauteur. Donc, pour avoir chaque fois, on prendra les meilleures têtes pour constituer, par exemple, notre charlotte aux fraises. Merci Mickaël Labro, artisan pâtissier chez M&A Macaron. Découvrez d'autres recettes sur omiam.tv.